À l'insu de tous, Apollon vient d'insuffler à Hector une fougue nouvelle. Il y a encore quelques secondes, il était au sol, mourant, frappé à la poitrine par Ajax, le grand guerrier grec. Désormais, la voix du dieu résonne en son âme. Sur un signe de leur chef, les Troyens se remettent en marche. Les Troyens acclament Apollon, qui en eux éveille un immense courage. Ils chargent en masse, Hector à leur tête. Maintenant, ce sont les Grecs qui reculent. Lorsqu'ils voient le fils de Priam réchappé du trépas, tête haute, voltigeant sur sa monture, revenu du royaume d'Hadès, plus puissant qu'autrefois, ils prennent peur et leur cœur tombe à terre. Devant les bateaux, Ajax, seul, se bat comme un lion enragé. Mais il ne peut éviter la débâcle. Les Troyens arrivent aux nefs. Des torches flambent dans la nuit. On dirait des centaines d'étoiles. Bientôt, la flotte va s'embraser. Bientôt, les Grecs seront jetés à la mer. De l'autre côté du camp, Patrocle est au chevet des guerriers grecs blessés. Sur les plaies d'Ulysse et du vieux Nestor, d'Agamemnon et de Ménélas, il répand les poudres qui apaisent les noires souffrances. Patrocle est le cousin d'Achille, fils de Ménotios, qui fut l'un des Argonautes parti chercher avec Jason la toison d'or. Enfant, sous l'emprise d'une grande colère, il tua l'un de ses camarades. Il fut alors exilé à Phthie, où il fut élevé avec le jeune Achille. Les deux garçons grandirent ensemble, et c'est encore ensemble qu'ils partirent faire la guerre à Troie. Avant leur départ, Ménotios, le père de Patrocle, demanda à son fils de veiller sur Achille et de toujours lui prodiguer ses conseils avisés. Depuis le campement, Patrocle entend monter la clameur, l'épouvante. Les Grecs, les siens, plient sous l'assaut troyen. Il se précipite sous la tente voisine. C'est celle d'Achille. Et le héros est bien là, ses armes loin de lui. Il joue de la lyre. Les Grecs sont sur le point de tous périr, et lui, il joue de la lyre. Patrocle, désespéré, arrache l'instrument des mains de son ami. Ses yeux sont noyés de larmes. Achille regarde longuement Patrocle, cet homme qui pleure comme un enfant. Il lui dit qu'il croit voir une petite fille suspendue aux robes de sa mère. Mais il l'aime, comme on aime le meilleur de ses amis. Patrocle se ressaisit. Il dévisage Achille comme s'il découvrait un inconnu. C'est impossible. Cet homme, au visage méprisant, plein de ressentiment et de colère, ne peut être le fils de l'illustre Pélée et de la divine Thétis. Il a dû naître du ventre d'un rocher pour demeurer ainsi insensible devant la ruine des Grecs.
Dans un élan désespéré, Patrocle s'agenouille devant son ami et l'implore. Puisqu'il tient à ressasser sa colère, alors qu'il lui confie le commandement des Myrmidons, qu'il lui prête son illustre armure et ses armes, il sera peut-être, lui, Patrocle, la lueur du salut pour les Grecs. Qui sait si les Troyens, le prenant pour le divin Achille, ne renonceront pas à se battre. La rumeur des combats se rapproche. On entend le vacarme des armes et des cris qui s'élèvent du rivage. Achille secoue la tête avec un air de reproche. Il l'admet, sa rancune contre Agamemnon est tenace. Il n'oublie pas l'offense. Et il rappelle, une fois encore, qu'aucun homme n'a le droit de frustrer l'un de ses pairs et lui ravir sa part d'honneur parce que sa puissance lui donne l'avantage. Il ne combattra pas. Patrocle insiste. Achille ne peut-il laisser le passé être le passé ? Ne peut-il oublier son courroux obstiné au moment où les Grecs, épuisés, ploient sous les lances et le feu? Ne peut-il s'estimer vengé par les désastres subis par les siens? Alors, Achille prend pitié de son ami. Soit, puisqu'il y tient, que Patrocle revête les armes d'Achille. Qu'il mène à la bataille les braves Myrmidons, puisque les Grecs, acculés à leurs bateaux, leurs creuses carènes, n'ont plus à eux qu'un mince bout de terre. Nul doute que les Troyens, le voyant, prendront peur et se replieront. Qu'il charge avec vigueur pour écarter des nefs le désastre. Mais après avoir repoussé l'ennemi loin des navires, qu'il ne cherche surtout pas une gloire inutile en le pourchassant jusqu'à Troie. Car un des dieux se mettrait alors sur sa route, et il n'en réchapperait pas. Que meurent Troyens et Grecs, lance Achille plein de colère, et que seuls survivent Patrocle et Achille, qui entreront ensemble dans Troie aux puissantes murailles. Patrocle a revêtu les armes d'Achille et rejoint les Myrmidons. Les Myrmidons. On dit que ces féroces soldats étaient autrefois des fourmis que Zeus transforma en hommes. D'autres prétendent qu'ils tiennent leur nom du roi Myrmidas, dont la fille fut séduite par le maître de l'Olympe, lequel avait pris la forme d'une fourmi, et que depuis ce jour, la force de Zeus coule en leurs veines. Une chose est certaine, en tout cas. Les Myrmidons sont les guerriers les plus redoutés de tout le monde connu. Achille marche vers eux. D'une voix ferme, il leur ordonne d'obéir à Patrocle, comme s'il s'agissait de lui-même. Aussitôt, porté par le vent, la nouvelle du retour des Myrmidons dans la bataille se répand à travers les rangs de l'armée grecque. L'espoir renaît. Tout n'est peut-être pas perdu. Il est revenu. Voilà ce que murmure Cassandre à son frère Paris. Paris secoue la tête. Absurde. Il ne croit pas à cette rumeur.
Achille n'a pas pu reprendre les armes. C'est impossible. Même à Troie, tous savent quelle humiliation Agamemnon lui a fait subir. C'est une blessure qui ne peut se refermer. Cassandre insiste. Achille mène à nouveau ses troupes à la bataille. Et bientôt, il sera face à leur frère, Hector. Le fils aîné du roi Priam est, depuis 10 ans, depuis le début de cette guerre interminable, le bouclier de Troie. Sans lui, plus rien, plus personne ne pourra sauver la ville. La jeune femme saisit le bras de son frère. Paris doit rendre Hélène à Ménélas. C'est l'unique solution pour espérer fléchir le courroux des Grecs et éviter un drame qu'elle voit venir de façon inéluctable. Paris s'enflamme. S'il osait, il giflerait cette sœur qui ne prend la parole que pour annoncer le malheur. Il n'est pas question qu'Hélène quitte Troie. Jamais il ne le permettra. Il l'aime. Et la déesse Aphrodite elle-même veille sur leur union. Cassandre se débat. Elle veut dire quelque chose. Mais sa voix est soudain couverte par des hurlements de terreur qui montent de la plaine. Emmenés par Patrocle, les Myrmidons se ruent sur les Troyens avec la violence d'un ouragan. Ceux-ci, croyant voir Achille, le divin Achille à la tête de ses troupes, battent aussitôt en retraite. Bientôt, plus un seul Troyen n'est auprès des navires grecs. Patrocle bondit. L'âme pleine d'une vaillance prodigieuse. Son épée tranche les têtes, brise les os. Les cadavres s'amoncellent autour de lui. Dans son sillage, les Grecs se sont regroupés. Ils balayent tout sur leur passage. Acharné, Patrocle oublie le conseil d'Achille. Il entend poursuivre les Troyens qui se replient, leur interdire de reprendre pied dans leur ville. Il les charge et les massacre les uns après les autres. Soudain, un char se dresse face à lui. Un homme en saute. Casque de bronze, cuirasse d'airain, 2 piques à la main. C'est Sarpedon, le roi des Lyciens, l'un des plus vaillants défenseurs de Troie. C'est lui qui a percé de sa lance le jeune Diomède au cœur de la bataille, mais aussi le roi des rois, Agamemnon. Sarpedon, le fils de Zeus et de la belle Europe, que le maître de l'Olympe enleva jadis sous les traits d'un taureau. Patrocle, d'un jet de lance, a tué le cocher de Sarpedon. À présent, les deux hommes se ruent l'un sur l'autre. Sur l'Olympe, Zeus frémit. Il saisit l'Égide, prêt à foudroyer l'impudent qui ose attaquer son fils. Lorsque Héra, pleine de colère, interrompt son geste. Comment Zeus, le dieu des dieux, ose-t-il secourir Sarpedon alors qu'il a ordonné à tous les dieux de ne plus intervenir dans la mêlée.
quoi? Un simple mortel, depuis longtemps voué à son destin. Zeus voudrait le soustraire à la mort cruelle? Qu'il prenne garde, car l'ordre des choses serait à jamais dérangé. Il est une puissance impérieuse et invisible, à laquelle tous les dieux doivent obéir, même Zeus. Le destin. Et celui-ci a fixé, depuis l'heure de sa naissance, le moment où Sarpédon sera envoyé au royaume des morts par la lance de Patrocle. Ce moment arrive. Zeus doit accepter ce qui est écrit. Patrocle retire la pique de bronze de la poitrine de son adversaire et ramène ensemble le bout de son arme et l'âme de Sarpédon. Patrocle se lance alors à la poursuite des Troyens. Trois fois, il monte à l'assaut des murailles sur lesquelles veille Apollon. Trois fois, il est violemment rejeté en arrière. Le dieu de la lumière, caché par une épaisse vapeur, invisible aux yeux des mortels, vient à lui, terrible, à travers la mêlée brutale. Il s'arrête derrière Patrocle. Patrocle ne sent plus ses membres. Sa vue se trouble. Il voit à peine un homme marcher droit sur lui. Hector. De sa lance, Hector le frappe au bas-ventre et pousse le bronze jusqu'à la garde. Patrocle tombe avec fracas et sombre en un instant dans le gouffre de la mort. Hector s'empare des armes sublimes du héros mort. Ainsi le veut la tradition. C'est muni des armes d'Achille qu'il poursuivra désormais le combat. Puis il traîne le cadavre de Patrocle vers Troie. Aussitôt, les Grecs se précipitent pour défendre la dépouille. Ménélas est à leur tête, suivi d'Ajax. Abandonner le corps de Patrocle, le priver des rituels sacrés qui accompagnent les funérailles, serait le condamner à rejoindre les enfers. Jamais son âme ne connaîtrait le repos. Et puis, en sauvant la dépouille de Patrocle, songe Ménélas, on s'attirera la reconnaissance d'Achille. Les soldats troyens s'élancent à leur tour et commencent un combat sinistre autour du cadavre. Dès que le messager franchit le seuil de sa tente, Achille comprend. Nul n'a osé porter la nouvelle. On a donc chargé le fils du vieux Nestor d'annoncer à Achille la mort de Patrocle.
Ravagé par la douleur, Achille emplit ses mains de cendres, les répand sur sa tête et s'en noircit le visage. Hagard, il s'arrache les cheveux, se roule dans la poussière. Bouleversé, le fils de Nestor se retire, abandonnant le guerrier à sa désespérance. Une plainte terrible monte jusqu'aux cieux, parvient jusqu'au fond des gouffres marins, là où se tient sa mère, Thétis. Thétis accourt. La voici maintenant sous la tente d'Achille. Elle le prend dans ses bras et son fils lui dit la mort de Patrocle. Il lui dit la perte de son armure sacrée, de ses armes. Il lui dit sa douleur, intolérable, sans rémission. Thétis écoute Achille en silence. Puis, d'une voix douce, elle lui rappelle que tout s'est accompli selon ses propres vœux. Il souhaitait qu'Agamemnon et les Grecs, privés de son aide, soient refoulés et souffrent d'affreuses pertes. Achille le reconnaît, mais à aucun moment il n'avait envisagé la perte de l'être qu'il aimait le plus au monde, Patrocle, son double. Désormais, il ne vivra plus que pour venger cette mort. Hector périra sous ses coups. Alors Thétis lui rappelle l'oracle. Une vie glorieuse, mais brève. Achille interrompt les sanglots de sa mère. Il a choisi. Il sait ce qui l'attend s'il repart au combat. Il est prêt à recevoir la mort le jour où Zeus et les autres dieux voudront bien la lui donner. Mais avant cela, Hector périra de sa main. Thétis, alors, réprime ses larmes. Avant le lever du soleil, elle sera de retour avec de nouvelles armes, plus sublimes, plus redoutables encore que celles qu'aujourd'hui porte Hector. Des armes façonnées par le dieu des forgerons, Héphaïstos, et auxquelles nul ne saurait résister.